Bon, c'est vie ma vie d'influenceuse, mais surtout vie ma vie d'Andy, parce que c'est un énorme problème. Ça, c'est toujours le truc un peu galère. J'essaye vraiment de travailler là-dessus, de m'adapter au contretemps. Bon, c'est l'heure de tourner ma vidéo. Très discret, comme vous pouvez le voir. En plus, j'ai été interrompue parce que j'ai reçu un énorme colis bénéfice. Il faut trop que je vous montre. C'est gênant hein, de voir ça. Regardez, je suis trop contente, j'ai reçu la nouvelle palette. Je mange le gâteau Oula. Très en retard dans mon planning, tu le sais ça? Là il faudrait que je fasse genre 3-4 heures de montage cet après-midi. C'est une vraie catastrophe. Oh mon dieu. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis 22e des tendances YouTube. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé il y a quelques temps sur Instagram, si jamais ça vous intéressait, que je fasse un espèce de vlog où je vous montre comment j'organise toutes mes journées, etc. Je voulais les faire en story pour juste pour que ça change un petit peu, mais en même temps vous avez été tellement nombreuses à me demander un vlog. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense que je le ferai également sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait. Je vais vous amener dans ma journée d'influenceuse. Comme maintenant c'est mon métier à 100%, je vais vous montrer comment je m'organise, toutes les choses que j'ai à faire, etc. En sachant que forcément toutes les journées ne sont pas forcément pareil, il y a des jours où t'es obligé de tourner toute la journée, il y a des jours où t'es obligé de monter toute la journée, mais je vais vous montrer comment ça se passe en général, comme aujourd'hui j'ai une journée qui est comme d'habitude un petit peu. Et avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle est en collaboration avec la marque Freshly Cosmetics. Je mets du baume à lèvres parce que là je suis déshydratée. Freshly Cosmetics, c'est une marque espagnole de produits naturels, de produits cosmétiques naturels. Donc je pense en fait que vous l'avez forcément vu, honnêtement, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle en ce moment, absolument tout le monde, surtout un des produits que je vais vous présenter. Donc moi j'ai aussi deux produits de la marque, donc je suis trop contente. J'ai reçu un shampoing nourrissant, donc celui-ci il est composé de 99,9% d'ingrédients naturels, et je sais que beaucoup d'entre vous recherchent de plus en plus des produits naturels, donc c'est aussi une raison pour laquelle je vous les présente aujourd'hui, parce que je me suis dit que ça pouvait vous correspondre. Elle contient du riz, du coco, de l'huile d'argan. Il faut savoir un truc, depuis que je teste ces produits, j'essaye de leur trouver une odeur pour vous la décrire, parce qu'ils ont une odeur incroyable. Et figurez-vous que j'ai trouvé, ça va vous faire rire. Je vais essayer de trouver, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'en prenais tout le temps quand j'étais petite, mon père il m'en achetait tout le temps. Je vous mets une photo juste ici. Ça sent celui à l'orange. Ça sent exactement ça. Ça sent super bon. J'aime bien parce que les cheveux sentent bien aussi. Et ça, c'est un shampoing qui est très doux et nourrissant pour vos cheveux. Voilà. Si jamais vous avez des petits problèmes de cuir chevelu, même les cheveux un petit peu déshydratés, ça va vous aider. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà pour le shampoing. Et il laisse les cheveux vraiment soyeux. Donc j'aime bien. Et l'autre produit, je crois d'ailleurs que c'est mon petit chouchou. Et c'est celui-ci, à mon avis, que vous avez vu sur les réseaux sociaux. C'est l'huile Glow pour le corps. Ma plus grande passion. J'ai des problèmes de jambes longues, ce qui fait que mes jambes ont toujours des couleurs bizarres. Du coup, ma grande passion l'été, c'est de mettre des huiles comme ça, un petit peu pailletées, colorées et nourrissantes, pour donner un peu de couleur à mes jambes, les nourrir, etc. En été, vraiment, si par exemple le soir je vais au restaurant, j'en sais rien, il n'y a pas un jour où je n'en mets pas. Donc, je suis trop contente de tester celle-ci parce que ça change, et surtout, c'est une huile qui est naturelle celle-ci. Elle sent super bon aussi. Oh là là, ma passion, j'adore. Vous voyez ce glow là? J'adore. Elle contient 12 huiles végétales et ça agit en fait contre la cellulite, contre les vergetures, ça raffermit la peau, ça aide sur les cicatrices. Franchement, je vous dirais si ça fonctionne au niveau de la cellulite. J'arrête pas de m'en tartiner depuis que je l'ai reçu. Donc voilà. Comme d'hab, petit code promo si jamais ça vous intéresse. Avec le code Andy25, vous avez moins 25% sur tout le site. Et comme je vous ai dit, voilà, ils proposent vraiment que des produits naturels. Il y a vraiment de tout. Vous pouvez faire toute votre salle de bain avec Freshly Cosmetics. Et d'ailleurs, si jamais vous avez testé des produits de chez eux, dites-moi, parce que ça m'intéresse. Ce serait bien un petit peu que j'épure 2-3 produits dans ma salle de bain qui sont pas forcément ouf niveau compo. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà. Ce matin, je me suis levée à 9h parce que hier j'ai fait une miniature jusqu'à tard. En fait, il faut que je dorme 7h30 par nuit minimum, parce que sinon je peux pas travailler en fait. Et avant, je me disais tant pis, je dors que 5h, je dors que 6h. Mais en fait non, parce que du coup j'arrive pas à travailler. J'ai mis du temps à comprendre, mais maintenant je le sais. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je fonce direct sous la douche dès que je me réveille. Je vais me maquiller, me sécher les cheveux et on se retrouve juste après. A few moments later. Bon, je suis prête. Je me suis un peu habillée, voilà, parce que je dois tourner une vidéo. J'ai eu un petit contretemps parce que pendant que je me préparais, j'ai eu un appel, blablabla. Ça, c'est toujours le truc un peu galère. J'essaye vraiment de travailler là-dessus, de m'adapter au contretemps. Bref, donc je vais prendre un petit déjeuner avant de tourner ma vidéo. En règle générale, j'aime bien tourner le matin, comme ça je me prépare, je tourne, et souvent l'après-midi je fais du montage. Pour le petit déj, attendez, je vous pose. Franchement, comme d'hab, j'ai pas fait de course. Bon, c'est vie ma vie d'influenceuse, mais surtout vie ma vie d'Andy, parce que c'est un énorme problème. J'ai des fraises, mais elles sont pas en forme. Ça, on va faire avec ce que j'ai, hein. Donc un yaourt amande, je vais mettre du beurre de cacahuète. Vous pouvez me juger, ça me dérange pas.
Bon, je me pose, j'ai mon ordinateur juste là. Du coup, le matin, je prends mon petit déj devant mes mails, en sachant que j'ai forcément répondu à mes mails aussi quand je me suis réveillée, parce que je regarde toujours mes mails en me réveillant pour voir s'il y a des trucs urgents. S'il y a des trucs urgents, je réponds. Et ensuite, une fois que je suis douchée, etc., je me pose vraiment, je réponds à vos commentaires, je m'organise sur des trucs, enfin voilà. Et normalement aussi, quand j'ai pas de... quand j'ai plus rien pour le petit déj, ce que j'adore faire, parce que moi je sors pas beaucoup de chez moi étant donné que je travaille chez moi, je vais chez Starbucks. Donc je prends un petit thé matcha, un petit truc à manger, et comme ça j'ai à manger et de l'énergie avec le thé matcha. Mais bon, là il pleut à torrent toute la journée, donc c'est un peu chaud. En plus aujourd'hui j'ai des photos à faire, donc ça va être chaud. Bon, c'est pas incroyable. Bon, c'est l'heure de tourner ma vidéo. Donc je vais vous mettre là pendant que j'installe tout. C'est une vidéo pour la semaine prochaine, je peux pas vous dire ce que c'est, mais c'est une face cam. C'est n'importe quoi cette organisation. Petit micro. Où est-ce que je vais le mettre? Très discret comme vous pouvez le voir. Et je le branche à un enregistreur. Et voilà, je vais tourner ma vidéo. Et du coup, en règle générale, ça dépend de la vidéo, mais filmer des face cam, ça me prend pas énormément de temps, ça me prend une heure max. Ce qui me prend beaucoup de temps, c'est les vidéos comme je suis en train de tourner aujourd'hui. Ça c'est plus long, mais bon, c'est plus cool en règle générale quand même. Donc, let's go. Je viens de finir de tourner. Ce que je fais toujours après avoir tourné ma vidéo, c'est que je fais une photo pour la miniature. Alors avant je faisais avec la caméra, mais en fait la qualité rend beaucoup moins bien qu'avec l'iPhone. Donc je vais vous montrer comment je fais. En plus j'ai été interrompue parce que j'ai reçu un énorme colis Benefit, il faut trop que je vous montre. C'est une énorme galère cette ring light. Et ensuite on pose. Ce qui est important, c'est de connaître le titre de la vidéo pour savoir quelle expression il faut faire. Voilà. C'est gênant hein, de voir ça. C'est dans la boîte. Alors je vous explique le programme. Il est midi 35, comme je vous ai dit, j'ai pas de courses qui ont été faites. J'ai vraiment pas eu le temps, c'est trop la galère. Je vais éteindre ça, c'est horrible. Donc là le programme c'est d'aller me chercher un truc à manger, parce que j'ai beaucoup de travail cet après-midi. Sachant que Jérémy n'est pas chez lui, pour ceux qui savent pas, mon mec est mon voisin. Donc étant donné que mon chat est chez lui, je vais aller voir le chat, lui faire des câlins, parce que j'aime pas quand il reste seul. Et je vais aller me chercher à manger. J'ai grave envie d'un sandwich de la boulangerie. Bah je pense carrément que je vais aller à la boulangerie et manger mon sandwich avec le chat. Et ensuite on rentre à la maison pour travailler. Oh venez, je vous montre d'abord le colis Benefit. Bon, je l'ai déballé un peu à la vite fait, mais regardez, déjà j'ai des gâteaux. Et regardez, j'ai plein de petits trucs. Franchement c'est trop mignon. C'est mon premier colis qu'on m'envoie comme ça, juste en cadeau. Je suis trop contente. Un de mes bronzers préférés, vraiment trop bien. Je l'ai jamais testé, le Hoola Glow, vous avez déjà testé? Et ça c'est un blush que j'avais trop envie de tester en plus, donc c'est parfait. Ça c'est deux baumes à lèvres juste là. Et j'ai aussi, elle est où, une palette où il y a tout de réuni. Trop contente. Voilà, merci beaucoup Benefit, c'est trop gentil. Regardez, je suis trop contente, j'ai reçu la nouvelle palette de chez Benefit, c'est la Fourroscope. Alors j'ai vu qu'il y en avait trois différentes, celle-ci c'est la Earth Angel. C'est trop mignon, en plus j'ai des petits gâteaux. Regardez, je suis trop contente, j'ai reçu la nouvelle palette. Ensuite, je mets des petits trucs. Maintenant que j'ai fait ma story, je peux manger tranquillement mon petit gâteau. En plus il est super bon. Tu manges le gâteau où là? Regardez-moi ce chat. Eh oh, tu peux me faire un câlin? Je me suis prise la pluie comme une folle en allant à la boulangerie. Une journée sans te voir. Je suis très en retard dans mon planning, tu le sais ça? Bon, comme tout est en travaux, là-bas on peut pas trop aller. Je vous montre pas encore vraiment le résultat, mais vous voyez, tout est bâché. Donc on va se mettre là. Je me suis prise la pluie. Du coup, je vais manger mon sandwich. Il est 13h12. J'ai juste filmé une vidéo aujourd'hui. Et donc là il faut absolument que j'envoie un mail, enfin pas un mail d'ailleurs, un WhatsApp pour des petites surprises qui arrivent. Faut que je relance en fait quelqu'un. Moi j'ai la chance d'avoir Jérémy qui m'aide beaucoup pour les mails. D'ailleurs j'ai pris un tomate mozzarella. Et puis voilà. Et après on rentre à la maison faire du montage. Là il faudrait que je fasse genre 3-4 heures de montage cet après-midi. Ensuite il faudrait que je termine une miniature pour une vidéo qui sera déjà sortie pour vous, donc la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Et ensuite il faudrait trop que je fasse des photos, sauf qu'il pleut, donc je sais pas si ça va être possible honnêtement. Bon, je vais manger tranquille, je vais envoyer mon message et on se retrouve à la maison. C'est parti! Coucou! Devinez quelle heure il est? Vous allez pas me croire. Il est 19h, comment vous dire? Bah j'ai passé ma journée à faire du montage, enfin mon après-midi. Écoutez, c'est vraiment comme ça tous les jours. Et encore, aujourd'hui j'ai tourné, donc j'ai pas monté ce matin. Évidemment, la vidéo n'est pas du tout terminée. Mais alors? Pas du tout, mais là je vais stopper parce que je filme cette vidéo, sinon je dois bien vous avouer que ça peut durer encore plusieurs heures, jusqu'à genre 21h30, 22h et que je me décide à manger. Enfin bref, là chez moi, comment vous dire, c'est un bazar.
C'est une vraie catastrophe. Donc il faut maintenant ranger. Attendez, je vais... Oh, voilà. C'est mieux comme ça la lumière. Let's go. A few moments later. Oh mon dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis 22e des tendances YouTube. Je suis trop contente. Attendez, parce que depuis tout à l'heure, en fait, au lieu de ranger, je parle à tout le monde. J'étais tranquillement en train de faire je sais plus quoi quand je vois une notif d'un commentaire qui dit 22e des tendances, bravo. Et je me dis, bien sûr. Et je regarde, et en fait, oui, je suis 22e des tendances. C'est quoi ce délire? Ça m'est jamais arrivé. Jérémy est en train de me parler parce qu'il commande Uber Eats et on commande un ramen. Donc je suis trop contente. J'ai encore une dose de travail. Je vous raconte pas, mais je m'en fous parce que je suis 22e des tendances. En attendant la commande, je vous montre vite fait. Là c'est la miniature, donc elle est terminée. Je suis juste en train d'hésiter au niveau de la couleur du fond. J'ai l'impression que vous voyez ça. Pas vraiment de la bonne couleur d'ailleurs, à chaque fois c'est toujours l'hésitation. La couleur du fond, là on peut tester par exemple le rose, que j'aime bien aussi. J'aime bien aussi une autre couleur, celle-là. Non, pas comme ça. Je trouve ça pas mal. Je ne sais pas, vous saurez déjà vu que la vidéo sera déjà sortie. Et du coup, c'est moi qui fais mes miniatures maintenant. Je vous explique un petit peu. Vous savez, il y a quelques temps, j'étais en galère de miniatures parce que je cherchais absolument quelqu'un pour me les faire, etc. Je suis orange. Je cherchais trop quelqu'un. J'ai trouvé personne. J'ai eu des mauvaises expériences. Du coup, Jérémy, il m'a dit, ok, bah je vais te les faire. Je vais t'aider, etc. Donc en fait, on les faisait ensemble. C'est-à-dire que c'est lui qui connaissait un peu les manips, qui savait un peu comment faire. Et moi, je donnais un peu tous les ordres. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, au fur et à mesure j'ai appris, j'ai pas encore eu le temps d'apprendre le détourage, mais du coup il me les détourne et moi je fais toute la miniature toute seule ensuite. Voilà quoi, donc c'est sur Photoshop, je sais que vous me demandez énormément. Et mon montage je le fais sur Final Cut Pro. Là c'est la vidéo d'aujourd'hui que j'ai commencé à monter, mais je suis vraiment à la bourre dans mon programme. J'en suis seulement au petit déj et il est 21h, c'est génial, je dois la rendre demain. Voilà, ça c'est ma vie. C'est pas grave Andy, tu vas t'en sortir. La commande est arrivée. J'aime trop les ramen. Regardez, c'est sans le bouillon bien sûr. Oh là là. Oh non, j'ai oublié d'enlever les oignons avant de mettre le ramen. Et je vais manger ça devant Desperate Housewives. Une tâche de ramen, super. J'aurais peut-être dû me changer, je vais m'en mettre de partout. 2 seconds later. Comme je suis dans les tendances, j'ai commandé un McFlurry juste pour fêter ça, vu qu'on peut pas fêter ça autrement en ce moment. Ouais, quoi, un petit McFlurry ça me suffit. J'ai mangé tout mon ramen, c'était trop bon. Perso, je prends toujours un McFlurry M&M's et normalement genre 99% du temps je prends caramel, mais genre parfois j'ai envie de chocolat, tu sais, ça vient d'un coup ce genre d'envie, et j'ai pris chocolat parce que c'est une journée spéciale. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Il est 23h10, je suis même pas douchée, même pas démaquillée. J'ai fait une heure de montage et j'ai quand même pas du tout terminé. Wouh. D'un côté j'ai envie de vous montrer plus de choses. On dirait que je pleure mais je viens de bailler. Je suppose que j'aurais coupé cette scène parce que ça doit pas être ravissant à voir. Mais en même temps je suis dans un état de fatigue. Et là je sais, je sens que ma journée s'arrête ici quoi. Venez, genre je vous pose dans la salle de bain, on discute. Bon écoutez, c'était une journée dans la peau d'influenceuse. Comme ça vous voyez un petit peu comment je m'organise. En tout cas sachez que j'aime trop ce que je fais, vraiment. J'espère apporter un petit truc en plus dans votre quotidien. Et pour toutes les personnes qui me regardent, en tout cas merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura donné le sourire. Je vois pas comment, mais peut-être, on sait jamais. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait. Je suis un petit peu présente tous les jours. Surtout qu'il y a plein de surprises qui arrivent dès la semaine prochaine pour les 100K. Et n'hésitez pas également à me suivre sur YouTube. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.